Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, IAE 2951, jour 6, Origin. Euh, C'est une marque que j'affectionne pas forcément et on va voir que cette vidéo va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. On a un pack de peinture pour la série des 100. Euh, et c'est tout. Ensuite, on va avoir le pack, bien évidemment, euh, Warbond et non Warbond pour les concierges avec tous les vaisseaux Origin. Euh, ouais, il faut vraiment kiffer la marque, je trouve. En plus, c'est relativement cher et euh, voilà, tous les vaisseaux sont loin d'être parfaits chez Origin. Ensuite, en standalone ship, on va bien sûr tous les retrouver. Donc, la série des 300. Le 890 Jump qui est en limited. Donc là, pour ceux qui le veulent, il faut être aux bons horaires, au bon moment. Et vous pourrez effectivement avoir la chance d'en acheter un. Vous avez aussi le 400i, la série des G12. Donc les véhicules terrestres qui sont toujours en concept. On va avoir la série des 300, les 2600, l'Explorer et le Touring. On a le M50, le 85i tous les X1 qui sont toujours en concept, la série des 100 qui est bien évidemment donc celle un peu mise en avant avec les peintures etc. Euh, on va passer tout de suite au ship upgrade, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo va aller très vite, il n'y a vraiment pas grand-chose ce soir. Sur les ship upgrades, c'est pas compliqué, ils ont fait quelque chose que je trouve bien par contre, ils ont choisi un vaisseau pas cher, ça va permettre de pouvoir proposer aux gens qui ont juste un petit vaisseau d'avoir une chance de l'upgrade, mais l'offre est relativement minable, ils ont choisi le 300i, donc pas la série des 300, il y a vraiment que le 300i qui est avec une ristourne, et c'est une ristourne de seulement 5 dollars donc c'est vraiment pas génial le seul truc c'est que ça vous donne les 10 ans d'assurance donc c'est vrai que si vous avez un tout petit vaisseau avec six mois ça vous donne les 10 ans c'est plutôt cool mais voilà c'est tout donc rien d'extraordinaire, je vous donne quand même mon avis sur Origin. Origin, j'aime beaucoup la série effectivement des 300. C'est pour ça que c'est quand même cool qu'ils aient choisi le 300i. Pour moi, c'est une bonne série de vaisseaux. Surtout euh, leur côté habitabilité où on a euh, une petite cuisine, un coin pour dormir qui est vraiment cool. Et ça, c'est vrai que j'adore ça dans les vaisseaux. Le coin où est-ce qu'on peut à se nourrir, est-ce qu'on pourra dormir dedans correctement. Donc voilà mon avis sur cette journée. Origin, donc rien d'extraordinaire, mais quand même le 300i avec la petite ristourne euh, qui fait pas rêver, mais qui est quand même là assez cool. Et euh, en type de vaisseau que j'aime, donc le 300, toujours la série des 300, donc plutôt le 325, mais en tout cas la série des 300. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde!